Sacré soupi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, aujourd'hui je vous propose un pack opening. Pack opening parce qu'il y a les attaquants qui viennent de sortir. Voilà, j'ai pas fait de pack opening pour les défenseurs, pour les milieux. Tout simplement parce que j'ai fait des drafts durant toute la semaine. Parce que j'ai pas envie de mettre des points FIFA, tout simplement. J'ai pas envie de mettre de l'argent. Je vais essayer d'ouvrir les packs à 100k aussi. Parce que j'ai un peu de crédit mis de côté. Faut que j'arrête de regarder là, je regarde là. Donc j'ai joué des drafts pendant un mois et j'ai réussi à récolter les meilleurs packs. Les packs pourris, je les ai jetés. J'ai récolté les meilleurs packs. Il y a vraiment du lourd. Il y a un pack à 100k. Il y a un pack à 100k. C'est vraiment très très lourd et j'espère qu'on va taper du lourd. Vraiment. On a 22 packs et c'est parti les gars. On va commencer d'abord par les packs pourris. Les packs hors rares, c'est ça où j'attends le moins de chance. Ça va être. Ça doit être où Tarapt. Tarapt, ouais, voilà. Avec le petit accent, voilà, tu vois, un peu oriental. On le sent un peu les épices. C'est un peu cliché, d'accord? Je suis d'accord. T'es qu'un raciste, espèce de fils de chien. Je me désabonne de ta chaîne. On commence par les packs méga. C'est extrêmement. Ça me saoule tout le temps. Il y a tout le temps marqué à expirer. Voilà, maintenant vous savez. Donc on va commencer avec les packs méga. Les packs vraiment. Où j'attends vraiment du lourd. Parce que c'est des packs méga. Ça doit être méga lourd. N'Golo, pas mal. Donc on envoie dans la pile les transferts. J'espère qu'on aura du lourd. DC. Ah, t'imagines, c'est Thiago Silva. Si c'est Thiago Silva, je pète un plomb. Non, c'est David Luiz, ça va. Ça va en quelque sorte, ça va. Non, putain, j'ai envoyé Fichte. Putain, j'ai encore envoyé. Si je trouve un nouveau logo, je change. Parce que c'est peut-être ça qui fait la différence. Un nouveau logo. Ok, on va mettre l'écusson de la Russie. Je crois que ça peut nous rapporter quelque chose. La Russie, je fais confiance. Hop, on remplace à la place de ma place. Je suis pas du tout rappeur, mon gars. Je crois que le truc de la Russie, c'est mort. On va mettre celui-là du pays. On va essayer Manchester de là-bas. On va tous les essayer, je vous promets. Donne-moi du lourd, bordel. Logo de la Fiorentina, vas-y, on essaye tout. On essaye vraiment tout. Vraiment pas énorme. Après, il y a les packs à 50k qui arrivent. Mais bon, putain, on veut du lourd, bordel. C'est des packs méga. Oscar, oui. Il était boost. Ça doit être, je sais pas, ça doit être Götze à mon avis. Non, c'est Götze. Hop. Ah, l'écusson de Vire. Ah, mais ça va en fait. Je trouve avec Fiorentina, on a eu deux bons joueurs. Donc on va peut-être garder le Fiorentina. Je vous dis, ça peut peut-être taper. Bon, on commence par les packs à 100k maintenant. Maintenant, on passe à du lourd. Ah, De Bruyne, yes. De Bruyne, mon gars. Allez, ça c'est déjà bon. Allez, donne-moi du Totti, s'il te plaît. Ça, c'est extrêmement chelou ce que je viens de faire. Ok. Hazard. Yes. Hazard. Oh God. Yes. Bon. Aguero. Non, Tevez. Ouais. Tevez, ouais, un peu déçu. C'est le pack à 100k les gars. C'est le pack vraiment à 100k. Pack à 100k, je regarde pas. De Réa, putain, non. J'attendais depuis 15 ans ces packs à 100k, non. Un peu déçu du pack à 100k, mais on a eu hasard quand même, et De Bruyne. Donc les gars, je sais pas, je pense que je veux condenser avec... ok, ça pue littéralement la bite. Je pense que ce que je veux faire, c'est que quand il y aura des packs à 100k... Oh putain, je suis vraiment un con. Verratti. Allez, donne-moi du lourd cette fois-ci. Un Totti, s'il te plaît. Non, mais c'est pas ça qu'on veut... Je suis vraiment un putain de pigeon. Sans chier que j'aurai rien. Je suis déçu. Je suis déçu de ouf. Ça va, on a tapé du hasard. Malheureusement, je sais pas. Je pense que je vais faire un deuxième pack opening avec des drafts. Parce que ce week-end, je pense que je vais geeker un peu beaucoup. Même beaucoup, même. Parce que j'ai pas beaucoup de taf durant ce week-end. Donc je vais essayer de faire quelques drafts, de vous proposer, pourquoi pas, encore un pack opening. Donc, j'espère que ça vous aura plu.
Donc les gars, je suis désolé, j'ai pas eu de toti, malheureusement, ça va, j'ai eu un petit hasard, un petit de run. Voilà, j'ai ouvert les packs à 100k, je me suis quand même fait bien avoir. On va juste aller voir ce que j'ai eu. Donc les gars, on aura eu quand même un petit boost encore avant. On a eu quand même Jordi Alba, on a de boost, Pastore, Cruz, Tevez, Thiago, Terrea, Ramirez, Verratti, Hazard, ça c'est pas mal, De Bruyne, Oscar, Silva, je me demande combien il coûte. Il doit pas coûter beaucoup en fait. Ouais, ça va. Lopez, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il fait là. Ah oui, tu sais, c'est les joueurs. Bon, c'est parti pour les ventes rapides. Ok, donc voilà, c'est bon, j'ai fait les ventes rapides. Donc voilà, on aurait eu quand même des bons joueurs. C'est pas ouf, on va juste voir combien il coûte. Le hasard, il va plus coûter grand chose. 97 000, je veux juste m'empresser de le vendre parce que il va baisser de ouf à mon avis. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais... Ok, mise au point. Je vais sortir la carré manager, ça c'est sûr et certain. Faut que j'arrête de faire comme ça, on dirait que je suis un gros pervers. Je vais sortir la carré manager, ça c'est sûr. Mais vraiment, je suis désolé, mais ça... Genre, j'avais tout fini le carré manager. Et ça, mon logiciel, il a tout simplement bugué. Et au moment où bah, je voulais sortir le truc, quoi. Voilà, toujours des bonnes excuses. Mais je suis vraiment désolé, j'ai pas pu faire autrement. Et voilà, donc j'ai essayé de condenser un peu les matchs, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. La Carry Manager sortira bientôt. Les reviews, j'en fais un peu moins en ce moment parce que tout simplement j'ai moins envie de jouer à FIFA, je sais pas pourquoi. Je passe plus de temps à parler avec les potes, etc. Donc j'ai moins envie de jouer à FIFA tout simplement. Et je sais pas, voilà, j'ai peut-être un peu moins une moins grosse envie de jouer à FIFA et peut-être vous proposer autre chose. Le truc avec le panier VAM, ça vous a quand même pas mal plu, j'étais assez content de ce côté-là. Et même une autre, la FAQ, ça vous a quand même pas mal plu. Une vidéo normalement sûre et certaine avec ICES va arriver. Ça c'est clair et net parce que le gars je le kiffe et franchement on se marre bien. Et j'aimerais vraiment, vraiment faire une vidéo avec lui. De toute façon c'est prévu. Ça viendra un jour, je sais pas quand. Et aussi sûrement avec Monsieur Kalash HD qui est vraiment un gars qui fait du très bon taf aussi. Et que j'aime bien, voilà. Donc les gars, j'espère que ça vous a plu, ça fait 4 fois que je dis ça, c'est bon, j'arrête tout, j'arrête YouTube, on va se le dire, bientôt les 1K aussi, vraiment merci, j'ai pas, quand on a fait la vidéo FAQ avec mon pote, j'ai pas, je pensais pas qu'on allait prendre 200 abonnés en espace de 2 semaines, j'ai pas capté durant les vacances ce que vous avez fait, et je vous remercie vraiment parce que durant la vidéo, je l'ai pas dit du tout, toutes vos questions, tous vos encouragements, etc., ça me fait vraiment très très plaisir, et ça m'encourage vraiment à continuer, même si on a eu parfois une période un peu difficile, par exemple des 500 ou 600, on a vraiment galéré à les avoir, et bon, j'avoue, les vidéos, c'était pas top, hein, et bon, ça m'a fait quand même pas mal réfléchir, j'ai même pensé à arrêter YouTube, mais là, avec vos messages que vous me donnez, ça me donne vraiment envie de continuer, et voilà, c'est le moment sensible, donc voilà les gars. Je pense que c'est bon, j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie, je vous kiffe. 1, 2, 3.